Oh, eh ben... Ah, il faut le reconnaître, c'est impressionnant. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Non, mais sachez que je suis très puissante. Et vous et vos amis devriez être plus prudents. Gardez vos distances. On le fera. En attendant, appuyez sur la touche retour et enlevez ce mur de glace. Ça pourrait nous aider. Désolée. Il va falloir attendre. Amenez-moi ce que je veux et ensuite je verrai si je vous libère. Votre sœur, c'est ça? Ça va être dur de la chercher coincée ici. Emma! Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que c'est? C'est un... Ça va, Emma? Dis quelque chose! Cet objet me permet de parler à mon père, qui est de l'autre côté du mur, mais si vous le faisiez fondre, on pourrait parler tous ensemble. Dites-lui d'aller chercher Anna. Allô? Tu m'entends, papa? C'est elle. Emma! On t'écoute. Je suis toujours avec la jeune femme. Elle cherche ta sœur, Anna. Elle pense qu'Anna est ici parce que elle a trouvé son collier dans la boutique de Gold. Elle veut qu'on retrouve sa sœur, sinon elle... Sinon je gèle cette ville et tous ses habitants. Vous n'avez pas froid? Je suis gelée. Je n'en ai jamais souffert. L'autre jour, une sorte de monstre de neige est venu ici. C'est une de vos créatures. Je veux retrouver Anna, et je suis prête à tout pour ça. Je vois bien que vous tenez beaucoup à elle. Désolée pour le collier. Oh, où est-il? Là, dans cette crevasse. Il suffirait de faire fondre un peu la glace pour le récupérer. Et si vous faites tout fondre, on pourrait discuter dans un endroit un peu plus chaud. Vous contrôlez rien, c'est ça? Ce que vous avez dit à David, c'était pas une menace, c'était un avertissement. Parce que vous contrôlez pas ce que vous faites. Vous ne savez rien sur moi. Je me connais, moi. J'ai des pouvoirs et j'ai du mal à les contrôler. J'ai l'impression que vous êtes pareil. Vous? Vous avez des pouvoirs magiques? Oui. Anna est spéciale, elle. Elle m'aide à les contrôler. Si je la retrouve, elle pourra m'aider à défaire tout ça. On pourra faire disparaître ce mur et toute cette glace quand elle sera là. Mais pour l'instant, elle n'est pas là. Peut-être qu'avec votre magie, on arriverait à sortir d'ici. J'ai essayé. J'ai déjà essayé rien que pour me réchauffer. Je sens plus ni mes pieds, ni mes mains. Oh. J'ai aucun contrôle sur mes pouvoirs. Oh non, je suis si fatiguée. Oh non. J'ai besoin de m'allonger. Emma, parlez-moi. Dites-moi plus, vous êtes née avec un don ou on vous a lancé un sort? Alors, il n'y a que deux options. J'en sais rien, j'ai été élevée dans un monde sans magie et je savais pas que j'avais des pouvoirs jusqu'à il n'y a pas longtemps et j'avais pas mes parents pour m'aider. Parfois, avoir des parents ne suffit pas. Je suis devenue la reine d'un grand royaume sans y être préparée. Je connais ça, pas être préparée. Je suis... Tu vas rire. La sauveuse. Je me demande toujours ce que ça veut dire. Ça te paraît parfois un peu lourd à porter, j'en suis sûre. Et quand on essaye de faire comme si de rien n'était, on finit quand même par faire du mal aux gens. Ce que je trouve aussi très dur, c'est que je pense que personne d'autre n'a des pouvoirs comme les miens. Tu dois te sentir très seule. Oh, c'est ma faute si on est coincé ici, pardon, ce n'est pas ce que je voulais. Je sais. Emma ?